Salam alaikum Mazoul, bonsoir. Deuxième soirée de couverture spéciale sur le sujet, sur le thème, sur la question du coup d'État de 92. Et je me contenterai en guise d'introduction aujourd'hui de vous dire le titre de l'émission qui est à lui seul tout un programme. Coup d'État 92, 27 ans après, quelle leçon? Et je serais tenté de faire une petite rallonge et de dire quelle perspective aussi par les temps qui courent, sachant ce que l'Algérie, ce que le pays est en train d'endurer en ce moment de questions, de perplexité. Avec moi, donc, pour en parler, c'est une émission qui va se décliner en deux parties de 50 minutes chacune. Mohsen Belabbas, président du RCD. Mohsen Belabbas, merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Karim Tabou, coordinateur national de l'UDS. Karim Tabou, merci d'être avec nous. Merci, c'est Jamal. Mehrez Bouish, enseignant à l'université de Bijaya. Merci, Mehrez, d'être avec nous. Merci à vous, Jamal. Merci. Saad Bouakba, chroniqueur du quotidien Al Khabar. Saad, merci d'être avec nous. Shukran. Alors, donc voilà, nous avons parlé hier un peu de ce qui s'est passé en 92. Les gens se sont exprimés selon des positions et d'autres, des angles et d'autres, des clivages. Mais aujourd'hui, le constat étant ce qu'il est, la vérité n'a pas été dite, elle n'est pas sue. Nous n'avons pas fait notre catharsis, nous n'avons pas pu nous réconcilier vraiment. Des tranchées existent encore, des clivages, des gens qui essaient de nous monter les uns contre les autres, ce n'est pas nouveau. Mais sinon, quelle leçon peut-on tirer aujourd'hui de ce qui est arrivé depuis 92 à aujourd'hui, Mohsen Belabbas? Je pense qu'il y a plusieurs enseignements à tirer, mais le plus important à dire, c'est que la situation en réalité n'a pas beaucoup évolué du point de vue de la pratique politique chez les dirigeants algériens. Il n'y a jamais eu de volonté pour mettre en place les mécanismes qui permettent un exercice politique sain, accepté de tous. C'est ce qui nous pousse depuis un certain nombre d'années, maintenant notamment en 2013-2014, à essayer de renouer le contact avec les différents acteurs politiques sur la scène algérienne, qu'ils soient leurs appartenances politiques, qu'ils soient leur idéologie, pour peser ensemble justement, pour pouvoir créer ces conditions. Moi je pense que le vrai problème qui s'est posé en 92, je dirais plutôt en 88, c'est qu'il n'y a pas eu de volonté de mettre l'Algérie sur les rails de la démocratie. Il n'y a jamais eu une réflexion dans ce sens. Parce que si les dirigeants de l'époque avaient vraiment pensé à comment sauver l'Algérie de ces crises périodiques qu'il connaît, notamment à la veille des élections présidentielles ou bien au lendemain du décès d'un chef de l'État, comme ça a été le cas après le décès du président Houari Boumediene. On aurait agi autrement. Il fallait, après les événements de 88, s'asseoir autour d'une table avec les acteurs politiques de l'époque, beaucoup parmi eux revenaient d'un exil qui a duré des années. C'était des acteurs clés de la révolution algérienne. C'était des acteurs qui étaient présents dans la société. Il y avait aussi une nouvelle élite politique qui s'est affirmée sur la scène politique. Tous ces gens-là devaient se réunir autour de la table avec les dirigeants de l'époque pour penser les mécanismes à mettre en place pour asseoir des règles du jeu acceptées par tous, mais qui nous permettent surtout de prémunir l'Algérie des crises périodiques que nous avons vécues depuis 92, voire avant. Le problème, il se pose, y compris maintenant. On s'apprête à aller vers ce qui est appelé une élection présidentielle en Algérie. Moi, je appelle par élection présidentielle, puisque nous avons l'habitude d'assister à la nomination officielle du chef de l'État désigné par des cercles, voire par des consensus intramuros.
au système, mais la crise est tellement grave, la menace est imminente sur le devenir national pour les mois à venir, qu'il est urgent pour que les dirigeants comprennent qu'ils doivent penser à aller vers une rencontre avec tous les acteurs sans exclusion. Il y a beaucoup d'acteurs qui sont exclus, il y a d'autres acteurs qui ne sont pas agréés, comme c'est le cas de M. Tabou avec son nouveau parti politique. L'objectif d'une rencontre pareille, c'est effectivement de penser à ces mécanismes à mettre en place. Moi, je fais partie des acteurs qui ont participé à l'élaboration de la plateforme de Mazafron avec un certain nombre d'autres acteurs. J'ai assisté, comme d'autres acteurs, à la conférence de Mazafron. Nous avons démontré qu'il y a possibilité d'organiser ce genre de rencontre et d'organiser un véritable débat. Le Karim Tabou, Mohsen Belabbès nous dit qu'il est temps de mettre des mécanismes en place pour essayer d'aller vers autre chose, vers une vraie structuration de l'État, des institutions. Vous pensez que le régime puisse accepter une telle éventualité? Ce serait suicidaire pour lui. Ça lui serait quasiment antinomique. Accepter, non. Merci de l'invitation. Je pense que toutes les voies qu'on pourrait éventuellement explorer pour l'avenir, toutes les perspectives, tous les sillons qu'on va chercher pour nous sortir de cette crise, demandent deux choses. D'abord, ils demandent qu'on évalue le passé et qu'on le regarde avec beaucoup d'apaisement, beaucoup de sérénité, mais sans complaisance. Nous n'avons pas besoin de nous mentir sur ces étapes importantes qui ont marqué l'histoire de ce pays, mais non seulement ils ont marqué l'histoire de ce pays, aujourd'hui nous allons être amenés à gérer tout le lot des conséquences. D'abord, une des conséquences qui assez souvent n'est pas très visible pour la classe politique, c'est les traumatismes profonds sur la société. Cette crise a provoqué de graves blessures, de graves brisures dans la société. C'est en partie ces conséquences-là qui poussent aujourd'hui les jeunes à douter de tout, parce que l'expérience était douloureuse. Et puis, sur le plan politique, peut-être également, nécessité d'évaluer de la manière la plus simplifiée, la plus simple. Au fait, le coup d'État de 92 a stoppé une dynamique politique avec toutes ses limites, avec toutes ses contradictions, avec toutes les choses qui sont nouvelles, qui sont dans l'exercice de la politique. Les Algériens après 88, au fait, le débat, nous l'avons vécu pendant 3 années. L'exercice de la politique, nous l'avons tout juste exercé pendant 3 ans. Mais la classe politique, à mon avis, à l'époque, en tout cas une partie de la classe politique, n'avait pas évalué à sa juste valeur la nécessité de tout faire à l'époque pour rendre irréversible le processus démocratique. Mais est-ce que les dés n'étaient pas pipés au départ déjà? Je ne pense pas, parce que ce n'est pas une histoire de résultat ou d'une élection ou d'un événement quelconque. Je voulais justement arriver à ça, c'est que tout le monde devait se donner comme priorité, au-delà de nos clivages politiques, au-delà de nos faux clivages politiques, tout faire pour rendre irréversible pas seulement la démocratie, mais d'abord la politique. Parce qu'au fait, la brisure qui s'est produite en 92, on a arrêté la politique pour une option de guerre. Et cette option de guerre, au fil des années, 27 ans après, est la secrétité des mentalités, est la secrétité des structures, est la secrétité, une manière de penser ce pays. Et d'ailleurs, 27 ans après, excusez-moi de vous faire remarquer que les seuls acteurs politiques aujourd'hui, c'est le chef de l'armée, c'est les généraux, c'est les institutions de l'armée qui sont les seuls à faire la politique aujourd'hui. La grande muette. Vous imaginez toute la classe politique. Vous imaginez toute la classe politique, toute la classe universitaire, tous les acteurs qui auraient pu constituer les acteurs de la dynamique de la société, etc. Aujourd'hui sont suspendus à la décision que va prendre le chef de l'armée. Et tout le débat est suspendu aux lettres qui sont en train de s'envoyer entre les uns et les autres. Mais en tout cas, vous voyez bien
que 27 ans après, l'option de la guerre a laissé derrière elle des mentalités, des structures, et ne perdons pas de mémoire cette expression simple qui dit « la fonction crée l'organe ». Quand on tue la fonction, on tue les organes. On a tué en 92 la fonction politique, par conséquent, on a tué les organes de la politique. Les partis politiques se sont affaiblis durant tout ce processus. L'université s'est affaiblie, le syndicat s'est affaibli, la société a emmagasiné des traumatismes très profonds, des contradictions, des besoins, des brisures, des blessures, des ratages, des mensonges, tout ça, a fait qu'aujourd'hui nous sommes devant une situation qui nous met devant un double défi. Le défi de surmonter toutes ces blessures par un exercice très dur de réconciliation avec soi, de réconciliation avec la politique. Chercher les moyens par lesquels nous pouvons encore recréer la confiance, recréer le politique. Et puis, le deuxième défi, accepter toutes les transitions. Il n'y a pas que les transitions institutionnelles par des jeux d'élections, mais les transitions, y compris mentales, les transitions générationnelles, les transitions sur le plan des méthodes, sur le plan... Mais aujourd'hui, à l'ère de la modernité, nous avons des dirigeants qui réfléchissent avec la mentalité du Moyen-Âge. Vous ne pouvez pas laisser des gens qui, à l'ère de la modernité, à l'ère de l'Internet, gèrent un pays avec les mentalités du Moyen-Âge. Saïd Bouakba, tu as parlé de l'arabe. Oui, d'accord. Tu penses que l'Algérie n'a pas de chance? Le peuple de l'Algérie n'a pas de chance pour qu'il se réveille à سيادة حقيقية سيادة الكاملة ولا كما راهم يظنوا البعض اليوم اللي هم يتكلموا يقول لك خلاص الجزائر ما بقى لها حد أنا بلي أوكين شانس اللي تغيبها سابوتي لي موين نو رست بلي بور انستيزي كونتينيو دانستيزي لا بوبولاسيون ني دو لو بيرميت دو فيفر دون لا رانت اليوم الحل الوحيد اللي بقى لنا هو الانفجار ثم الباب الى المجهول نشكرك على الدعوة في العربية يقولوا ما أضيع العيش لولا فسحة الأمل حقيقة إذا كان المرحلة اللي مرت بها البلاد في 27 سنة الأخيرة مرحلة مظلمة وتؤدي لليأس لتعاظم مستوى الظلم ومستوى الفساد ومستوى العبث بمؤسسات الدولة إلى أن كاين شيء من الأمل صغير ظهر وهو أن المحنة هذه اللي مرت بالبلاد ومرت بالشعب الجزائري ودمرت مؤسساته ودمرت قيمه ودمرت طموحه خلقت شيء هو أن الفرقاء السياسيين اللي كانوا ظهروا في 90 كأنهم ما يتلاقاوش خلاص ولو في إمكانية أنهم يعيشوا مع بعضهم فهموا باللي ممكن يعيشوا مع بعضهم وممكن ينظموا بعضهم وممكن يفهموا بعضهم وممكن يتنافسوا على من يخدم البلد أكثر هذه إيجابية موجودة الآن في الطبقة السياسية حتى ولو كانت ما زالت تعبانة بآثار الكارثة اللي مرت بها البلد تحمل أتعاب كثيرة نتيجة الكارثة هذه ومع ذلك كاين الأمل هذا بدليل الإخوان اللي كانوا ما يتلاقاوش ولو يتلاقاو بدليل السلطة نفسها ولات شبه منفصلة تماما على الشعب ومنفصلة أيضا على الطبقة السياسية الجدية يعني ما نهضروش على المحيط تاعها اللي صنعته هي ولكن الطبقة السياسية الجدية واللي ما زالت تبحث على طريقة لتنظيم نفسها في الحياة هذه أصبحت منفصلة تماما على في الإطار العام كل الجزائريين يقولوا لابد من تغيير هذا النظام الترهل أيضا ما صابش البلاد برك أصاب حتى المؤسسة النظامية نفسها التنظيم نفسه لما نشوفوا مثلا بعض المظاهر اللي ولات تبكي في العاصمة مثلا رئيس الجمهورية لما يلتحق بالمكتب تاعو مره في 6 شهور يكون ايفينمون في البلاد تنقطع الطريق
وفي المدة الأخيرة في أول في اللقاء تاع توقيع القانون المالي الأخير لاحظت صورة تبكي يعني حقيقة. أنا كنت من الأمور اللي تبكي أنني نمشي في الطريق اللي في اتجاه الحكومة كي نروح للخدمة، يعني نفس الاتجاه مع بسبب السكن نمشي في هذاك الاتجاه. مع الأسف لاحظت باللي كل بين بوليس وبوليس 50 متر يحرسوا ويقطعوا طريق. أكثر من هذا لاحظت، وهذه صورة تبكي، لاحظت الأمن الرئاسي باللباس المدني ويدير الباج تاعه هنا وهاز أباراي تاع الجمال ويتفقد في التواقي في حيدرة، يتوقد في التواقي في العمارة اللي يسكن فيها ليكس رئيس حكومة سابق بالعيد عبد السلام، ويتفقد في المنطقة الغابية تاع حيدرة اللي فيها السكن تاع ليكس مدير الأمن. معنى هذه وش معناها؟ معناها عايشة في رعب، معناها وفي برج، معناها كاين في خلل في جهاز الدولة نفسه. لأن إذا كان الإرهاب وصل للعمارة اللي يسكن فيها رئيس الحكومة السابق ولا للغابة اللي يسكن فيها مدير الأمن السابق، معناها البلاد ما راح في خطر، ولا لربما ما يتفاهموش بعضهم. هو المشكل هذا اللي حبيت نوصل ليه. إذا كان خوفا من بعضهم كارثة، وإذا كان الإرهاب وصل للمنطقة هذه الكارثة أعظم. وهذا وين اللي المكان اللي يسموه اللي يسموه لاتيتي تاع الجزائر اللي هي حيدرة. هذه الصورة نشوفتها هنا، يشوفها أي سفير، يشوفها أي واحد أجنبي يجي يمر في المنطقة هذه. هنا معناها مؤسسات الدولة اهترت وما عادتش قادرة تقوم بواجبها كما يجب. أكثر من هذا، أكثر من هذا في 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 في, في الحكومة، الوزراء وزير ما يتفق مع وزير، البرلمان تعرفوا مستواه يوافق على قوانين مضادة للدستور. كل المؤسسات الدولة ترهلت، بقينا كما قلت لك الأمل الوحيد أن المضرين والمطحونين من العملية السياسية ممكن عندهم أمل أنهم فهموا في النهاية أنهم الخلاف تاعهم مع النظام الفاسد وليس بيناتهم. Mahrez Bouygues, avant que je vous donne la parole, j'aimerais revenir un peu sur ce que vient de dire Saïd Bouakba quand il parle de Solta qui vit dans une citadelle et d'une classe politique qui ne trouve pas encore très bien ses repères. Moi je dirais, et d'ailleurs j'ai posé la question à maintes reprises, existe-t-il encore vraiment une classe politique ? C'est une question que les Algériens se posent. Mais nous allons voir quelques images de M. Ammar Roul, un politicien, sénateur du tiers présidentiel, président du parti, initiateur d'une initiative politique qui a fait chorus et qui a délié les langues. Nous allons l'écouter pour essayer de nous faire une idée un peu sur l'homo politicus d'aujourd'hui. أن رسالة الجيش الوطني الشعبي سلجش تحرير كانت أولا في إطار مواصلة التركيز، مواصلة التوضيح، ومواصلة التأكيد على كل الرسائل السابقة للجيش الوطني الشعبي سلجش تحرير في إطار القانون وفي إطار الدستور أولا. ثانيا، كانت هذه الرسالة، رسالة الجيش، كانت قوية وواضحة وقاطعة لأي جدل أو شك. لقد وضعت هذه الرسالة النقاط على الحروف. رابعا، لقد صوبت رسالة الجيش الأخيرة، لقد صوبت نهائيا، أقول نهائيا، الجدل السياسي وأطرته دستوريا وقانونيا. إننا في حزب تجمع أمل الجزائر تاج نؤكد دائما أن وفاءنا ودعمنا للآب المجاهد عبد العزيز بوتفليقة فخامة الرئيس فهو ثابت، فهو دائم،
فهو مستمر. إننا في تاج، في حزب تجمع أمل الجزائر تاج، نجدد دعوتنا، نجدد دعوتنا لفخامة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الأب المجاهد للاستمرار في قيادة البلاد والتقدم للاستحقاق الرئاسي المقبل بإذن الله في موعده. كريم تابوت مور دو ريغ. الحمد لله كما يقولوا الاخرين. محرز بويش اسكو يفو كو ليزالجيريان سورغانيز بور ايسيي دو سو بروندر ان شارج ريالمون سي سوفي سي بي او اسكو يل doivent continuer à compter sur ce genre de personnage. Je pense d'abord, merci beaucoup pour l'invitation, merci. Mon ami Jamal, et à Gassam Gass pour tous les Amazirs là où ils sont. Je pense merci, que question... j'en profite moi aussi pour représenter mes voeux de très bonne année berbère d'Amazir à tous les Algériens, à tous les Maghrébins. Oui, je pense que la question ne se pose pas en réalité par rapport à la question de l'organisation, parce qu'effectivement aujourd'hui les Algériens, la société civile et les partis politiques, évidemment, ils sont dans l'obligation, entre guillemets, de s'organiser, parce qu'ils ont devant eux, bien évidemment, un régime qui est là depuis 1962 et qui gère l'Algérie d'une manière arbitraire et qui a provoqué pratiquement à la fois l'impasse politique et le marasme social et économique et tout ce qu'on est en train de vivre dans notre pays en termes de chômage, d'atteinte aux droits de l'homme, etc. Ça, c'est tout à fait clair et net, et je pense mes amis tout à l'heure l'ont bien expliqué par rapport à la question, la nécessité de trouver un nouveau schéma d'organisation de la praxis politique qui dépasse effectivement les clivages idéologiques et qui va tirer des leçons et des enseignements de tout ce qui s'est passé auparavant. Mais la question, elle est claire, et la réponse, à mon avis, elle est claire. Ça n'a pas besoin, effectivement, de lire des textes ou de philosophie ou de sciences politiques pour comprendre ça. Mais, à mon avis, lorsqu'on parle de coup d'État 92, il est clair et nécessaire de redéfinir un peu les concepts, parce qu'on a un petit peu... l'habitude d'imposer des concepts, et ces concepts, on les trouve plusieurs fois dans des discours et dans des thèses et dans des articles. Ce n'est pas un coup d'État, c'est un coup de l'armée contre l'État, contre la démocratie et contre le peuple. Ça, c'est du 1. Du 2, avant de parler des leçons, il est clair et net et précis aussi qu'il faut passer par un diagnostic. Aujourd'hui, la classe politique algérienne, ne serait-ce que l'opposition radicale et démocratique et pacifique, qui pense à l'idée d'un changement, pas de l'intérieur du régime, mais de l'extérieur, elle est aussi obligée de faire un véritable diagnostic, parce que ces dernières années, on constate effectivement, à travers les discours des uns et des autres, que nous ne sommes pas sur les mêmes diagnostics, sur les mêmes analyses. Et je pense effectivement ces chemins qui montent et ces, je dirais entre guillemets, ces déviations en termes de diagnostic ont posé un problème en termes de consensus, en termes de dépassement de clivage et d'idéologie. Donc il est clair qu'il faut aujourd'hui aussi créer un consensus autour d'un véritable ou d'une véritable analyse, non seulement par rapport à ce qui s'est passé en 92, parce que la 92, c'est une suite logique de trois choses. Du 1, de tous les codes de l'armée contre l'État et contre la République et contre le peuple depuis pratiquement 57, passant de 57 en 65, enfin 62 c'est clair, 62 aussi, 65, 80, 88, 92... Et tu en passes, c'est-à-dire c'est une suite des coups de l'armée contre l'État, contre des initiatives de mettre en place une république effectivement, et contre le peuple, et contre aussi la praxis politique. Mahrez Bouich, vous qui êtes impliqué dans la politique, vous qui êtes jeune, vous qui êtes universitaire, comment pourriez-vous m'expliquer que le politique, le vrai politique, la praxis politique est complètement absente de la scène politique. C'est le désert politique dans ce pays. Comment pouvez-vous m'expliquer que la jeunesse soit aussi démobilisée et qu'elle n'aspire plus qu'à quitter son pays?
dans une très grande majorité. Et comment m'expliqueriez-vous que l'université, vous êtes universitaire, soit aussi absente du débat politique, du débat national? Oui, ça a besoin effectivement d'un profond débat, et que ce soit sur la situation de l'université ou de la société ou de la praxis politique. En tout cas, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est en pratiquant la politique qu'on devient politique, pas politicien. C'est en faisant dans la lutte, bien sûr, quotidienne, syndicale ou associative, qu'on devient et qu'on apprend effectivement les ABC de la lutte associative. Ça, c'est tout à fait clair. La question, est-ce que, effectivement, les conditions d'une véritable praxis syndicale ou politique ou associative existent? C'est pour cette raison que je t'ai dit tout à l'heure que 1,92 est une suite logique des coups d'État contre le peuple, contre l'État et contre la politique. Et aussi, c'est une suite logique à l'ADN du régime algérien, qui n'est pas en réalité avec un lien politique. L'ADN du régime algérien, c'est tout simplement le militaire. Donc la promontée de militaire sur la praxis politique a fait que le militaire, il est toujours au cœur de la pratique entre guillemets politique, ou au cœur d'une pratique en instrumentalisant, ce que tu as dit tout à l'heure, Jamal, des gens qui se prétendent effectivement politiques. Donc en réalité, nous sommes devant justement une gestion militaire en utilisant certains relais comme bien sûr représentants politiques. Du deux, nous sommes aussi dans une logique néo-patrimonialiste. La logique néo-patrimonialiste, bien évidemment, elle empêche la mise en place des conditions réelles. Qu'est-ce que vous voulez dire par... Néo-patrimonialiste, c'est-à-dire oui. Le peuple algérien, il est toujours vu par ceux qui ont géré le pays depuis longtemps comme le regard du père à son fils. En lui disant, écoute, c'est moi le patron, c'est moi qui gère, c'est moi qui a raison. C'est-à-dire, le peuple est toujours tuteur. C'est-à-dire, le paternalisme en termes simples. C'est le paternalisme, c'est le néo-patrimonialisme. Le père qui domine le fils, il est meneur et lui, il est tuteur. C'est-à-dire qu'effectivement, dans cette logique imposée, il est clair et net qu'aucune condition aujourd'hui n'est en termes de liberté, ni en termes d'investissement des espaces publics, ni en termes de création d'associations ou de partis politiques. Je vais vous citer un exemple. J'ai dit tout à l'heure, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, c'est en pratiquant la politique qu'on devient politique, c'est en faisant dans le mouvement, en travaillant dans le mouvement associatif, qu'on devient effectivement un mouvement associatif solide et alternatif. Lorsqu'on voit les lois, comme la loi sur les associations 1206 qui a tué pratiquement des centaines, si ce n'est pas des milliers d'associations, et a empêché la création des associations, l'autoritarisme du régime en place a empêché des gens à créer des partis politiques, le cas par exemple de Karim Tabou, etc. C'est pour te dire effectivement, lorsqu'on est dans une logique autoritaire, le régime ne va pas mettre en place les conditions sine qua non pour une praxis politique idéale. Donc, l'homo politicus dont tu as parlé tout à l'heure, il n'est que victime effectivement d'un processus de militarisation de toutes les pratiques, non seulement politiques, mais associatives. Ce qui fait qu'effectivement, aujourd'hui, à défaut d'un espace où les jeunes peut faire de la politique ou du mouvement associatif ou de la lutte pour la défense des droits de l'homme, il est clair qu'il va aller dans d'autres considérations, en termes simples, et n'est que la victime, une victime d'une la violence ou la harga ou autre palliatif du genre. Avant de prendre Badreddine Guerfa qui est avec nous au téléphone, pour rejoindre ce que vous dites, paternalisme, autoritarisme, mensonge fondateur et tout, nous allons écouter la déclaration du plus grand gestionnaire de la plus grosse société entreprise qui fait vivre les Algériens, Sonatrach en l'occurrence. Écoutez bien ce qu'il va nous dire. Mais si vous regardez l'histoire du monde, aucun pays dans le monde n'a réussi à faire ce que nous avons fait en 50 ans. Vous regardez les États-Unis, vous regardez la France, l'Allemagne, tous ont pris minimum un siècle et demi pour pouvoir être développés. Donc on demande au peuple algérien d'être patient. On est sur la bonne route, on est sur la bonne voie. On fait beaucoup d'efforts pour que ce pays soit à la hauteur des espérances de chacun.
ياخذ الوقت اللي لازم باش نبنيه. Badr al-Din Guerfa, merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes cadre du FIS et que vous insistez pour que nous vous présentions comme cadre du FIS et non pas cadre de l'ex-FIS ou ex-cadre de l'ex-FIS. Merci de l'invitation, Sylvain. Merci. Alors, effectivement, oui, allez-y, allez-y. Après, j'ai une question pour vous. Effectivement, nous sommes des cadres du FIS et je ne suis pas le seul. Et parce que pour nous, le FIS est un parti légal qui n'est pas sur la scène politique à cause des chars et des blindés, c'est tout. Hein. Badr al-Din Guerfa. Alors, oui. Il s'est passé ce qui s'est passé. Pour beaucoup de nos compatriotes, c'est la plus grosse tragédie de l'histoire algérienne. Certains disent que c'est encore plus tragique que l'occupation française, en ce sens que ce n'est pas un ennemi étrangers qui est venu nous décimer, mais des Algériens ont tué des Algériens. Le chiffre déclaré par Bouteflika lui-même est de 200 000 morts, 20 000 disparus et le reste de la tragédie. Et certains parlent même de 250 000 morts. Aujourd'hui, 27 ans plus tard, nous sommes dans une impasse, personne ne pourra dire le contraire. Mais on ne voit rien venir à l'horizon. Alors, d'abord, quelles leçons tirer de cette tragédie, mais aussi quelles perspectives, qu'est-ce que nous allons faire et qu'est-ce que nous pouvons faire et qui va faire ce qui doit être fait. Oui, merci, Sijamel. Salut à tous les invités. D'abord, à propos de votre remarque, de cadre du FIS et pas d'ex-cadre de l'ex-FIS. Je tiens à dire, et le peuple algérien nous écoute, la jeunesse algérienne nous écoute, parce que c'est leur pays, parce que c'est leur présent et leur avenir qui est en jeu. Donc, là, nous sommes là, c'est-à-dire ce 11 janvier, à la Khrejna Bayan, au nom des cadres du FIS, il y a un certain nombre de points politiques. Malheureusement, la presse algérienne qui est aux ordres des uns et des autres, mais sur les pages Facebook, vous pouvez le trouver. Il est sur vidéo et c'est Sid Ali Belhadjar en tant que chef des cadres qui milite, d'Al-Fis, qui l'a lu. Tnin, leçon et perspective. Je crois, d'abord, le résultat, comme vous le dites, et comme le dit tous les hommes politiques maintenant, comme le dit le peuple algérien, le résultat est là. Hna l'an, rana fi dawlat al-cocaïne, rana fi dawlat al-fasad, rana fi dawlat al-dulm, fi dawlat al-ilm, la jami'a, la militantisme, il n'y a absolument rien, c'est le désert, ça. Hada, c'est le résultat, comme l'a dit très bien, si bien un de vos invités, Marie Fett, est dans une de vos émissions, c'est Ali Ben Nouari, que je salue avec force. Tout ce qui se passe maintenant, qui me coule honnête, mais un fouchna, c'est le résultat direct du coup d'État, ou là, le coup de l'armée contre l'État, contre le peuple, comme l'a dit votre invité que je salue, c'est le résultat direct. Avant de parler de perspective, votre invité, Simahel Bish, le diagnostic. Malheureusement, 27 ans après, nous avons dit le diagnostic ou nous avons dit l'autocritique. Je parle des partis politiques, je parle des hommes politiques qui se sont, surtout ceux qui se sont engagés, le coup de force à 92. مش نحبين يتكلموا ولا يتكلموا بالحقيقة بالأمور دفعتهم للوقوف مع les aventuriers tels que général Nazar ومن معه من تواتي وإسماعيل وتوفيق وغيرهم les hommes de la presse للأسف الشديد ما حبوش يتكلموا هذه الدولة اللي يسموها في مصر الدولة العميقة ما حبوش يتكلموا à ce qui s'est passé en 92. Ils ont salué, Selfrou, Stéphane,
bien sont devenus des milliardaires, les uns en dinars, les autres en dollars et en euros. Mais si Mahabine et Sarah ou Chab, les réseaux sociaux, le haine, le monde qui est devenu un village, Sbah, Yarf Kulchi, Arf Tariq ul Hava, Tariq ul Hadith ou Tariq ul Qadim. Les uns parlent de Mazafran. Je me pose une question. Mazafran, est-ce qu'il y a eu un véritable diagnostic? Elle, vous avez le même diagnostic que nous, yani, qui a eu le coup d'État, surtout de 62. Qui a eu le coup d'État de 92 qui a l'académie et la supercherie de 99 avec la venue de M. Bouteflika comme président de la République pour cautionner ce qu'a fait le général Ismaïl dans le pseudo William Diallo. Dans le mouskila, si on n'arrive pas à faire des analyses, mais les approches, mais ça fait une idée, non soit un diagnostic que. لأسباب 1, 2, 3, 4, 5 وصلنا لهذا الكارثة معليش إذا أخطأنا هم كترمندوز لزاح إلى زوتر نصارعوا الشعب نصارعوا الشباب قال إحنا أخطأنا كي سواء بس كو يفو أتخو كلير هذا التاريخ منجموش on peut pas mentir au peuple algérien منجموش نقول لهم des contre-vérités il y a eu des communistes des laïcs des islamistes des journalistes qui ont cautionné ce coup d'état Rahouidef ou Ali en Allemagne, en France, en Europe, aux États-Unis. Rahouidef ou Ali Had, Al-Mughama, qui a été en Allemagne. Mais Badr Dengerva, je me permets de vous interrompre. C'est vrai, il n'y a pas de volonté de faire la vérité sur ces événements. On n'y peut rien. Pour le moment, on n'y peut rien. Il n'y a pas de volonté. Il n'y a pas de parti. Suffisamment forte sur la scène politique pour imposer cette option. Est-ce qu'il faut pour autant nous perdre dans ce désir très flou qui ne parvient pas à se cristalliser ? Ou est-ce qu'il faut passer à autre chose en attendant de pouvoir un jour réaliser cette volonté, ce désir ? Je suis Jamel, Anna, en tant que Guelfa Badreddin, cadre du fils, ou là mes amis qui sont quatre fils, on travaille ensemble. Beaucoup de partis, je dirais pas tous, beaucoup d'hommes politiques ont des ramifications quelque part sur les âmes. Alors ils ne peuvent pas, dans leurs analyses, aller très loin. Sauf, quand on voit si Ali Benouari, qui était ministre, qui était acteur, les goulik, 10 années durant, on a dans la tourmente. Est-ce que كنت على الخطأ ولا كنت على الصواب ومن بعد يقول لك اليقين لا كونفيكسيون بلا كنت على الخطأ يقول يواجه الشعب الجزائري يقول له باردون باسكو il y a eu des centaines de milliers de morts c'est des Algériens que ce soit des islamistes ولا des hommes de DRS في الجبال ولا des soldats ولا des policiers ولا des journalistes finalement ce sont des Algériens وصلوهم لهذا الاقتتال وهذا الدمار Donc, à quel chien, pardon, Et restez avec nous, Badreddin Guelfa. Nous allons, pour mettre un peu le décor sur place, montrer l'état des lieux dans la réalité. Nous allons écouter un ministre nous parler de projets d'avenir. Écoutez bien. عقديني من الزمن كل الإنجازات كل شيء ندير فيها أنت نؤجل الانتخابات لماذا تأجل الانتخابات؟ أنتم ضد هذا الطرح إحنا مع استمرارية فخامة الرئيس
هذا القاعة اليوم اللي راك تشوفها وانتم حاضرين وانتم شهود كإعلاميين، هاد الناس كلهم راهم يطالبوا بالاستمرارية الرئيس، والرئيس هذم كلهم جنوده كلهم أنصاره، وهذا احنا ما فكرناش منها بالتأجيل، احنا ما فكروش بالتأجيل. كل ما أنجز من عقدين من الزمن مع السيد فخامة رئيس الجمهورية والمنتخبين السابقين كانوا جنود خلفه وهما اللي شادين على التنمية، احنا حابين نحافظوا على المكتسبات، واليوم جينا بانو ناجد السيد الرئيس باش نجدوه للاستمرارية. أما العهد الخامسة الرئيس هو من يتكلم عنها، احنا اليوم جينا نجيه ونناشده ونطلب منه، لأننا نعرف باللي هو الرجل المناسب، هو الرجل بتاع المصالحة، هو الذي بنى الجزائر الحديثة، هو الذي مسح الدموع، هو الرجل يعني اللي كل اليوم المنتخبين السابقين والمناضلين تحت الجبهة التحريرية جايين يشاندوا في الاستمرارية. Machin Belabbès, voilà un ministre chargé de je crois des relations avec le Parlement qui vient nous dire des choses avec compassion, avec passion plutôt, pardon, avec et il nous parle d'avenir, mais d'avenir fondé sur le monsieur le président de la République dont tout le monde connaît l'État, dont tout le monde voit l'État tous les jours, et c'est comme si c'était un autiste intégral, c'est comme s'il était sur une autre planète. Un moment où le pays tout entier s'apprête, à Dieu ne plaise, d'exploser en mille morceaux. Une crise inouïe, jamais vue, et perspective d'une violence à Dieu ne plaise qui pourrait être inédite dans l'histoire de ce pays. Et lui vient nous parler d'un cinquième mandat, de M. le Président, de ses réalisations. Qu'est-ce qui se passe dans ce monde politique algérien. Excusez-moi de ne pas commenter les propos de ce ministre, ni du patron de la Sonatrach, ni encore moins le patron du CTEJ, parce que les trois discours que j'ai écoutés, en réalité, sont révélateurs de la régression au niveau des dirigeants en général. Moi, je pense que c'est plus important pour moi de faire un commentaire sur les propos qui ont été tenus par M. Gaffar, le cadre du fils ou bien de l'ex-fils. Moi, je pense que ce n'est pas bien de continuer à s'entêter et à essayer de faire croire chacun de son côté qu'il détient la vérité absolue. On n'est pas là pour nous juger les uns et les autres. Moi, je pense que c'est la plus mauvaise des démarches. On était dans cette stratégie durant les années 90. Chacun s'entêtait à dire « moi, j'avais raison, moi, l'autre avait tort ». C'est vrai qu'il viendra un jour, il faudra connaître la vérité. Mais en réalité, parlons de vérité. Il n'y a pas que les événements de 92. On ne connaît pas la vérité sur le putsch de 62. On ne connaît pas la vérité sur le putsch de 65. On ne connaît pas la vérité sur l'assassinat de Kérim Belkacem. On ne connaît pas la vérité sur l'assassinat de Khidar. On ne connaît pas la vérité sur l'exécution de Chabani. On ne connaît pas toutes les vérités. Donc il y a beaucoup d'événements où on nous a caché la vérité. On va continuer à nous cacher cette vérité. Moi, ma conviction, c'est que le système algérien a toujours agi de façon à se maintenir, à perdurer. Donc son objectif a toujours été de sauver le système au détriment de l'Algérie. Donc moi je dis, il y a eu un faux départ en 62. Il y a eu un autre faux départ en 88, 89. Nous ne devons pas tomber dans le même piège maintenant. Il faut un nouveau départ, mais un départ sur de bonnes bases. Et c'est pour ça, c'est important de discuter entre nous. C'est important de nous mettre d'accord sur un certain nombre d'éléments importants. Comment voyez-vous, vous, les perspectives? Mais justement, comment les voyez-vous concrètement? Qu'est-ce que vous voyez? Concrètement, il y a des acteurs politiques algériens qui ont démontré qu'il y a possibilité de s'asseoir autour d'une table et de discuter. Et il fallait, et nous l'avions fait, et nous devons approfondir ces discussions sur les mécanismes que nous devons mettre en place pour sortir de ces crises cycliques que connaît notre pays. Nous devons définir, en tout cas nous mettre d'accord sur quelle institution pour l'Algérie, quel système électoral pour l'Algérie, quelle organisation doit s'occuper de l'organisation des élections. Et le régime, dans tout ça, il va vous laisser faire. J'arrive. Quelle constitution?
quel organe va produire cette constitution? Est-ce qu'il faut une assemblée constitutionnelle? Est-ce qu'il faut une assemblée de constitution telle que ça a été fait dans un certain nombre de pays où on désigne une vingtaine, voire une trentaine de personnes qui vont réfléchir sur un projet? C'est tout ça, c'est sur tout ça qu'on devrait se mettre d'accord. Est-ce que la société est complètement déstructurée? Les forces politiques en place sont pour la plupart à la mangeoire, Première étape, s'il appartient aux acteurs qui se reconnaissent dans l'opposition, d'agir et de discuter, parce qu'il y a moyen de recréer l'espoir dans ce pays. Nous faisons cet effort. Il y a moyen d'avoir l'adhésion citoyenne. Il y a moyen de faire adhérer le peuple à cette démarche. Et nous pouvons contraindre le pouvoir à venir à la table des négociations. Et je préfère utiliser le terme négociation. Il y a des conditions à poser à ces dirigeants. Pour leur faciliter le départ. Mais il faudra le dire, parce que ce n'est pas vrai. On ne pourra pas accepter que ce système soit recyclé régulièrement. Il y a un certain nombre d'initiatives qui nous ont été présentées ces derniers temps. C'est toutes des initiatives qui sont conçues pour régénérer ce système, pour reproduire ce système, pour maintenir ce système. Nous n'avons pas le même objectif. Nous voulons faire sortir notre pays définitivement de la crise. Chaque 5 ans, il va y avoir des élections organisées par une instance indépendante de gestion des élections. Donc il faut assurer une alternance démocratique au pouvoir. Et c'est comme ça qu'il faudra agir. Maintenant, il n'appartient pas seulement aux partis politiques de faire ce travail. C'est le travail de tous les Algériens. Nous sommes tous concernés. Et surtout, les médias algériens doivent jouer un rôle. C'est à travers ce genre de débats qui sont organisés par El Maghrebia qu'on pourra façonner une opinion qui va travailler dans le sens justement de sauver l'Algérie et non de sauver le système. Karim Tabou, je suis désolé, je ne vais pas pouvoir faire le tour de table. Il reste une minute. Je suis désolé. Vraiment, on vient de me le dire à l'oreillette. Est-ce que ce que nous dit Mohsen Bleb, est-ce que ce ne sont pas des vœux pieux? Est-ce qu'il est réellement possible de pouvoir s'organiser en l'état de la circonstance? Non, je pense que c'est possible. C'est-à-dire que les idées sont là. Il faut trouver les mécanismes opérationnels. Ce que nous remarquons sur le terrain, c'est qu'il y a quand même une maturité et des avancées importantes, autant chez les islamistes que chez ceux qui se proclament de la démocratie. Il y a plus d'envie de travailler ensemble. Tout simplement. L'erreur par le passé était qu'on avait mélangé un peu les faux et les vrais clivages, les clivages idéologiques, les clivages politiques, et on a joué pendant des années, on a été piégé par ce débat. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une nécessité de réordonner nos priorités, avec nos clivages, avec nos différences, mais réorganiser nos priorités. Je me permets de vous interrompre parce que je dois faire quand même un tour. Saad Bouakba, en moins d'une minute. Je suis d'accord avec Tabou sur cette question. La question de حل مشاكل تاع الحقيقة والعقاب ولا لا فيريتي حول واش وقع في البلاد لابد أن تؤجل لما بعد إقامة نظام شرعي لأن النظام الشرعي هو الوحيد اللي قادر يحاسب الناس لأن الآن لمن نعطي اللي يحكم بيناتنا شكون اللي عنده الحق يا دي بريوريتي بليز أورجانت الأولوية هو واش قالوا محسن لابد من إقامة نظام شرعي ونعطوا له الملف شكون هو الغلط في 92 وشكون هو الأعلى صواب ويحاسب الناس ونغلقوا الملف البلاد في خطر والدليل على الخطر الكلام اللي قاله مدير سوناتراك اللي هي المؤسسة اللي يأكل منها الشعب الجزائري كل لما نعرفوا باللي أصبحت تدار بعد 54 سنة بهذا الشكل نعرفوا الحقيقة المرة أن قانون المحروقات الآن يعد في نيويورك في حين هذه 10 شركة في العالم كانت تصنع بأيدي جزائرية من 63 اللي تأسست فالآن ولات تصنع في الخارج ويقول لنا باللي احنا خير من الماريكان محل زويش En termes simples, un consensus autour d'une alternative démocratique et du changement dépendra d'une seule chose. Dépasser le schéma, enfin parce qu'il y a deux schémas opératoires, un
qui regroupe certains partis politiques, y compris ceux de l'opposition, qui pensent qu'il y a un changement de l'intérieur du régime. Et combien même de partis politiques, effectivement, entre guillemets, qui se proclament de l'opposition, qui cherchent effectivement un changement de l'intérieur. Et il y a aussi un autre schéma opératoire de ceux qui pensent qu'il y a un changement horizontal qui est à l'extérieur du régime, et parce que à l'intérieur du régime, ça veut dire tout simplement c'est permettre au régime une autre vie et de reproduire effectivement les mêmes conditions qui lui ont donné sa naissance. Mais pas quatre ruptures, si on veut réellement un, dépasser ce clivage, parce qu'effectivement ça pose réellement un problème. Et je pense l'expérience de Mazafran, l'une des contraintes qui ont posé un problème à Mazafran, c'est que ceux qui pensaient qu'il y a un changement de régime et ceux qui pensaient qu'il y a un changement de à l'extérieur des régimes. Donc, quatre ruptures. La première rupture, c'est une rupture totale avec la Première République, parce que la Première République n'est même pas une république. La deuxième, c'est une rupture avec l'ADN militaire du régime algérien, parce que au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas politique. Deux mots. La troisième rupture qui ne posait un problème en Algérie, c'est la rente pétrolière, et on ne parle pas trop. Et la quatrième rupture, la plus importante, si nous voulons construire un consensus national, c'est dépasser toutes les idéologies externes à l'Algérie, et on parle effectivement par la suite d'une algérianité. Badreddin Guerfa, le mot de la fin, s'il vous plaît, on a débordé sur le temps d'émission. Merci, merci. Je dis ce que j'ai toujours dit, l'azm un choc. Je suis d'accord avec lui à 80%, à 90%, ou laquelle il me tabou que je salue, ou cool que je salue. Mais je peux donner un exemple à le choc politique. Mazafran était un pas. Il y a bien un chien, on accélère au chien de Mazafran, on dit un choc politique, on dit qui est la cause, mais on couche le neuf, t'as le fils, on couche la cause, mais t'as le fils. Mais le fils, c'est le FCD ou le FFS ou le qui m'a dit dans le contrat national, quand il y a un fils, il y a un coup de pied dans la fourmilière ou un choc politique, ou bien on verra. En tout cas, Badreddin Guerfa, merci beaucoup. Je suis obligé de vous interrompre, mais je suis très content d'entendre ce que vous êtes en train de dire, comme j'ai été très content d'entendre ce que disait Hassan Belabbas et nos autres amis ici sur le plateau. Qu'on le veuille ou non, que le veuillent ou non certains qui font tout pour séparer les Algériens, les diviser, les monter les uns contre les autres, il y a comme une mayonnaise qui est en train de prendre, une bonne mayonnaise. Cette émission continue dans 5 minutes, le temps de recevoir d'autres invités. Restez avec nous.